Les roues de l'ambulance tournent, 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 tournent. Les roues de l'ambulance tournent, tournent dans toute la ville. Oups, pardon, excusez-moi, je passe. Ha ha ha!
ce matériel. Docteur, vous savez ce qu'il faut faire pour guérir des plus gros bobos. Ouh, je vous remercie, docteur. Sois vigilant quand tu cours. Quand tout le monde est en sécurité, nous pouvons tout jouer. Attache tes chaussures, faites bien attention en jouant. Attention bébé Louis, regarde bien, c'est dangereux. Mets-toi en sécurité pour continuer à jouer. Demande avant de jouer, les grands sont là pour te montrer. Prends le temps de réfléchir car tu pourrais te blesser. Quand tout le monde est en sécurité, nous pouvons tout jouer. Faites attention les enfants, la piscine ça peut être dangereux. En étant toujours prudent, nous pouvons tous jouer. Si vous voulez nager et jouer, n'oubliez pas tous vos bouées. Prends le temps de réfléchir car tu pourrais te blesser. Quand tout le monde est en sécurité, nous pouvons tous jouer. Des bonbons pour moi. Miam, miam. Soyez très prudents. Ne
chill et regarde si c'est bon. Faites bien attention en jouant. Oh. Non, non, regarde! Un danger! Ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident tous les jours. J'ai glissé dans le jardin. Je me sens pas très bien. Vous avez eu un accident, mais tout va bien. Nous sommes tout le temps là pour vous. Demande à maman ou papa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les accidents n'arrivent pas? Laver le sol. Des petits bobos, des petits bobos, ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident. Mais tout va bien. Nous sommes tout le temps là pour vous. Et quand vous tombez, que devez-vous faire? Le dire à papa ou à maman. Que pouvons-nous faire pour éviter les accidents? Demandez de l'aide. Des petits bobos, ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident tous les jours. J'ai trébuché sur le jouet. J'ai très mal à la tête. Tu as eu un accident. Nous sommes là, ne pleure pas. Un faux pas, que devrais-tu faire? Le dire à maman ou à papa. Que pouvons-nous faire pour éviter les accidents? Ranger les jouets. Des petits bobos, des petits bobos, ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident tous les jours. Oh, je me suis coupé le doigt avec ce grand couteau-là. Tu as eu un accident. Attends, va chercher papa. Si tu as une coupure, que devrais-tu faire? Le dire à maman ou à papa. Que pouvons-nous faire pour éviter les accidents? Ne rien toucher de coupant. Des petits bobos, des petits bobos, ça arrive tous les jours. D'abord, il faut s'assurer de qui est à la porte, bébé Louis. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ta maman. On connaît maman.
Maman est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le connais. Toc toc tic tac 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 toc. Toc toc tic tac tac toc toc. Toc toc tic tac 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 toc. Je te vois. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Rappelle-toi, n'ouvre jamais aux étrangers. Non non non. Rappelle-toi qu'il faut toujours prévenir maman et papa quand il y a un étranger à la porte. Quelqu'un est à la porte, papa. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ton grand-père. Je connais grand-père. Grand-père est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le connais. Toc, toc, tiki, toc, 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 toc. Toc, toc, tiki, toc, toc. Chérie, rappelle-toi que tu ne dois jamais ouvrir la porte à des étrangers. Jamais. Ok, super. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ta grand-mère. Je connais grand-mère. Grand-mère est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le de pizza pour le repas de ce soir. Vous avez fait un bon travail de dire à maman et papa qu'il y avait un étranger à la porte. Oui! On s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. Et en plus, nous avons appris ce qu'il fallait faire quand il y avait quelqu'un à la porte. Et on a de la pizza! Est-ce que tu veux jouer au docteur, bébé Louis? Et moi, je serai ton assistante. Attends, je vais t'aider. Voilà, docteur, tu es prêt. Et voici ton premier patient aujourd'hui. J'ai mal à la tête, ça
chouette. Waouh, merci mon petit docteur. Je me demande qui est le prochain patient. Docteur, j'ai mal au genou, au genou. Docteur, ça fait vraiment mal, vraiment mal. Je suis tombé et je me suis blessé. Docteur, tu peux me soigner, me soigner. Ah, je suis complètement guéri. Merci docteur. Voyons qui est le prochain. Oh mais c'est Bingo. Docteur, il semble avoir mal, avoir mal. Docteur, dis-nous ce que tu vois, ce que tu vois. Oh il y a une épine juste là. Oh. Une chance qu'on ait bébé Louis, bébé Louis. Oh il a sauvé Bingo. Waouh, une chance que tu es là, docteur Louis. Bébé Louis, comme docteur, c'est toi le meilleur. Oh, mon ballon! Ne t'inquiète pas, papa va aller le chercher. Si tu tombes, sente mieux. Qu'est-ce que nous avons ici? Merci bébé Louis. Et voilà, comme neuf. Si tu marches dans le salon, regarde bien à tes pieds. Si tu tombes et te fais un bobo, je te promets que je prendrai soin. Oh papa, est-ce que ça va? Tout va bien, tout va bien. Un peu de crème, on couvre et tout ira mieux. Si tu veux jouer dans le jardin, fais attention à ta tête. Si tu es blessé dans le jardin, je te promets que je prendrai soin de toi. J'arrive avec l'ambulance, papa. Merci, bébé Louis. Donne ça à maman. Un peu de bandage et tu iras mieux après. Si tu joues avec tes jouets, ne les laisse pas par terre. Si tu te fais un petit bobo, papa, est-ce que ça va? Je te promets que je prendrai désolée soin de toi. À la rescousse! Papa va bien! Ici, chérie. Si tu ne ramasses pas tes jouets, tu peux tomber et te blesser. Si tu te fais un petit bobo, je te promets que je prendrai soin de toi. Oups! Désolé, papa! Papa, on arrive! Ne t'en fais pas, chérie. On va prendre soin de toi. S'il y a de l'eau dans la salle de bain, regarde bien où tu marches. Si tu glisses et te fais un bobo, je te promets que je prendrai soin de toi. Oh, chérie! Ne t'inquiète pas, papa. Nous sommes tous là. Nous sommes là pour que tu ailles mieux. Nous prendrons soin de toi toute la journée. Oh non, chérie! Voici comment on
et tu ne seras pas malade. Tu peux te sentir mal, mais tout ira bien. C'est facile pour toi aussi. Quand tu es enrhumé, pense bien à te moucher. Comme les grands, c'est ça qu'on fait. Quand tu as le nez qui coule, tu dois prendre un mouchoir. Tu dois souffler avec le nez. C'est beaucoup mieux maintenant, tu vois. Être enrhumé, c'est normal, mais tu vas bien aller. Mets le mouchoir dans la poubelle et les microbes avec. Les enfants, qui est prêt à manger des fruits et des légumes? Venez voir. Voici comment on reste en bonne santé. C'est si facile, tu peux le faire. Les légumes, c'est vraiment bon. Les fruits et les légumes sont bons pour ta santé. Avec eux, tu peux dire au revoir aux maladies. Les légumes et les fruits sont bons pour ta santé. Ils sont pleins de vitamines, mangeant à l'infini. Oh, des jets d'eau! Allons-nous amuser! Enfant qui veut des glaces. Voici comment on reste en bonne santé. C'est si facile, tu peux le faire. Quand tu sors de l'eau, tu dois bien te sécher pour ne pas tomber malade. Quand vous avez joué dans l'eau, ceci peut vous servir. Prenez votre serviette et mettez-vous au chaud. Rester sec t'aidera à être en bonne santé. Enroule-toi bien dedans pour que tu aies bien chaud. Voici comment on reste en bonne santé. C'est si facile, tu peux le faire. Tous les jours tu dois de toi, tu ne seras pas malade. C'est l'heure du bain. Quand c'est l'heure du bain, tout le monde se savonne bien. C'est très amusant de se laver comme les grands. Quand c'est l'heure du bain, tout le monde se savonne bien. C'est très bien flotter.
roulotte, êtes-vous prêt? On adore sauter toute la journée. Sauter sur le lit, c'est amusant. Saute, 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 saute. Si tu sautes sur le lit, tu peux tomber, te faire très mal. Pour ne pas avoir de bobos, est-ce que je peux compter sur vous? Les bobos n'arrivent que quand on saute. Super Girl est là. Regarde un monstre. Allons l'attraper. Oui. On adore sauter toute la journée. Sauter sur le canapé, c'est amusant. Saute, 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 saute. Si tu sautes sur le canapé, vous pourriez tomber et vous blesser. Ce n'est pas amusant pour vous si vous vous faites mal partout. Des accidents peuvent arriver en sautant partout. Êtes-vous prêts? Oui! On adore sauter toute la journée. Sauter sur les chaises, c'est amusant. Saute, 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 saute. Oh. Si tu sautes sur des chaises, tu peux tomber et te faire très mal. Pour ne pas avoir de bobos, est-ce que je peux compter sur vous? Les bobos n'arrivent que quand on saute. Je vois le trésor! Allons-y! Oh oh! On adore sauter toute la journée. Sauter sur les marches, c'est amusant. Saute, 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 saute! Les enfants, vous le savez, ne sautez pas dans les escaliers. Vous pourriez faire un accident et on appellerait l'ambulance. Personne ne devrait jouer dans les escaliers. Waouh, c'est génial! Allez les enfants, allez sauter! On adore sauter toute la journée. Les jouets gonflables, c'est beau travail, les enfants. Jouez dans les jeux gonflables et plus prudents. Vous pourrez sauter autant que vous voulez. Tout le monde est en sécurité. Même maman et papa aiment sauter. Saute, saute. Oh. Oh. Qui veut boire de la limonade? Il faut ranger tous vos jouets. Nous pouvons le faire tous ensemble. Il faut ranger tous vos jouets. Ce sera pas long, je le promets. Des ballons, des voitures et des poupées. Il va falloir tout nettoyer. Ça peut être amusant. Regardez bien où vous mettez vos jouets. Quelqu'un pourrait vraiment se faire mal. Alors vous devriez y penser. Si vous ne rangez pas vos jouets, quelqu'un pourrait bien se blesser. Il est l'heure de manger. Oh! C'est chaud, c'est chaud! Il faut ranger pour mettre la table, pour pouvoir manger tous ensemble.
avoir un accident. Allons-y, bébé Louis. Oh mon bébé Louis, qu'y a-t-il? Dis-moi ce que tu veux. Non, non, tu n'as pas besoin de pleurer. Non, non, ça ne sert à rien de crier. Ne pleure pas. Respire, ne pleure. Vas-tu un peu mieux? Non, ne pleure pas. Vite! Oh mon bébé Louis, nous y sommes. Dis-moi ce qu'il ne va pas. Non, non, il n'est pas nécessaire de crier. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Comment te sens-tu? Oh, ne pleure pas. Attaque de requin. Oh mon bébé Louis, qu'y a-t-il? C'est à cause du soleil. Je te vois. Oh. Oh mon bébé Louis, ne t'inquiète pas, n'éclabousse pas. Non, non, tu n'as pas besoin de pleurer. Non, non, ça ne sert à rien de crier. Ne pleure pas. Il faut que tu dormes. Non, non, tu n'as pas besoin de pleurer. Non, non, ça ne sert à rien de crier. Ne pleure pas. Respire, ne pleure pas. Vas-tu un peu mieux? Non, ne pleure pas. Ange, allons voir où est ton doudou.
Perdre des choses peut nous rendre tristes, mais nous sommes là pour t'aider. Continue de chercher. Regarde dans ta chambre, mon chéri. Je vais l'aider. Où est-il? Où est mon doudou? Où est-il? Je veux savoir. Où est mon ami avec ses grandes oreilles? Où est mon ami? Tout va bien, mon petit ange. Je sais qu'il est ton jouet préféré. Je suis sûre qu'il n'est pas très loin et qu'il va très bien. Je suis sûre qu'on va le trouver. Regardons ici. Allons-y. Où est-il? Où est mon doudou? Où est-il? Je veux savoir. Où est mon... Pas triste, mon chéri. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Viens me faire un gros câlin et tout ira bien. Ne baisse pas les bras. Peut-être qu'il est dans le jardin. Où est-il? Où est mon doudou? Où est-il? Je veux savoir. Où est mon ami? Tout ira bien. Des fois, on perd des choses qui nous tiennent à cœur. Mais tout ira mieux, ne t'en fais pas. On va continuer de chercher.